Biaokol Gang, c'est Nation. J'ai terminé la première zone de l'histoire du jeu. Je suis dans la zone 2. Donc, ce qui se passe, c'est que je peux retourner en arrière dans la zone 1 pour tout nettoyer. Comme j'ai plus de mission principale, que tout se passe dans la zone 2 maintenant pour moi. Et ben, je suis retourné dans la zone 1 pour nettoyer tous les camps ennemis, tous les villages occupés, pour vraiment libérer toute la première région de l'occupation mongole. Je suis un meilleur samouraï, je suis moins claqué. Les combats sont vraiment moins durs maintenant que je maîtrise. Les changements de position au bon moment, les bonnes gardes. J'ai un meilleur personnage, de meilleures stats, mon katana est amélioré, j'ai l'arc long avec les flèches explosives. J'ai des kunai, comme dans Naruto, ils déchirent, je les améliore à fond. Dans cette vidéo, on va libérer le village d'Azamo, c'est un gros village occupé par les Mongols. Par contre, le problème, c'est que, ça c'est vraiment dommage, il y a des villageois en fait, et je peux pas faire du gameplay agressif comme j'aimerais le faire. Dans ma première vidéo, j'avais dit de pas faire du 1 contre 1 avec les chefs et tout. Bah maintenant, je m'en fous, je le fais, je fonce dans le tas, vraiment. Le seul problème, c'est que là, je peux pas le faire parce qu'il y a des otages. Et s'il y en a un seul qui se fait exécuter, j'ai perdu. Donc ce que je vais faire, regardez là, on le voit, il est en blanc à l'étage. Ça, c'est un otage. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tuer son bourreau. Comme ça, je vais pouvoir me fight comme il faut. Par contre, vous inquiétez pas, les prochaines vidéos, je vais faire tous les camps et les villages occupés. Pas les petites confrontations, pas les fermes et tout, ça c'est... On s'en fout, je vais faire juste les trucs importants. Parce que les combats sont trop stylés. Et vous inquiétez pas que les prochains camps, je pense qu'il y aura pas d'otages. Là c'est juste parce que c'est un village. Viens là. Laisse-le. Laisse-le tranquille. Oh là, je récupère des kunai en plus. Allez, c'est parti. L'otage il est ici, faut absolument pas qu'un mec monte. Donc là, je vais me les faire. Il y en a combien? 1, 2, 3. Que des mecs à l'épée, donc posture de la pierre. Et c'est parti. Tu t'approcheras pas de l'otage, mon gars, je te le dis. On le libère. Suivant. Deuxième otage, c'est fait. Franchement, c'est archi chiant quand il y a des otages, mais vraiment, c'est vraiment relou parce que je peux pas me battre comme il faut. Il faut tout le temps surveiller s'il n'y a pas un mec qui s'apprête à exécuter l'otage. Vraiment super chiant, quoi. Sinon, je foncerais dans le tas, j'attirerais tous les villageois, tous les guerriers sur moi, là. Ça va, mec? Viens te battre. Ready, beach boss.
Otage. Ça craint. Ouh, ça craint vraiment. Ouais. Oh, c'est un chef. Ok, on va tenter un truc. On va lancer la petite bombe des familles. Let's go! Wouh! Chef tué direct! Ah, je vous l'ai dit, je me suis amélioré. Hein. Les kunai que j'ai, ils rigolent même pas. Genre, la bombe, ça lui a pas fait forcément beaucoup de vie, mais c'est mes kunai. J'ai lancé des kunai dans le tas en arrivant là. Ils font grave de la vie. Ok, libéré. Ah! Otage ici, let's go. Lui, il va m'empêcher de me balader tranquillement. Et là, il y a le chef. Arc long. Flèche lourde. Et voilà le travail. Lui, on l'assassine. Arc long, flèche explosive. Kunai. Ok, bouclier. Attention, confrontation. Chef tué. Oh non. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Qu'est-ce que tu fais? Ça va tuer les otages là. Ok, on est bon. Des otages. Suivant. Je vois pas d'otage dans cette maison, je pense que je peux me faire plaisir. Salut mec, comment tu vas? Il y a un mec en haut, il a même pas capté. J'arrive. Comment tu vas? Viens là. Ah, il y a des mecs qui sont venus là. Au calme, genre. Maison nettoyée. On enchaîne. Et franchement, je vous le dis, on a beaucoup plus d'armes. J'ai beaucoup plus d'armes que ça. J'ai des bombes fumigènes, j'ai des bombes collantes. J'ai plein de choses. Mais en fait,
les combats au katana sont beaucoup trop bien en fait pour être gâchés par des bombes par exemple. C'est vraiment quand j'ai plus le choix, quand je suis encerclé de plein de mecs en armure lourde, de gros sacs, là je balance des bombes ou des trucs comme ça. Si par exemple il y a un chef entouré de trop de ses guerriers, bah je balance une flèche explo, tu vois. Mais sinon les combats au katana ils sont trop bien. Donc je privilégie ça. Même l'arc, genre l'arc court, j'utilisais beaucoup avant avec le ralenti, tout ça. Bah maintenant, j'utilise quasiment plus. Bah écoutez, je crois que c'est bon, j'ai nettoyé tout le village, il n'y a plus aucun ennemi, j'ai fait le tour deux fois. Il me reste plus qu'à compléter les objectifs de mission, et je pense que le village sera libéré, on va voir à la fin. Ah, trouver le chef mongol, c'est le dernier objectif, ok. Il est normalement dans la maison du chef du village, ça va être un combat final contre lui. Il va falloir que je vois quelle arme il a pour déterminer ma posture. Je suis arrivé. C'est un bouclier épais. J'arrive. Ah, ça va être un combat sous forme de duel. Allez. Alors, village libéré, villageois sain et sauf. Et en plus, on a gagné un charme de vitalité, augmentation modérée de la santé. Ma légende grandit, regardez en haut à droite, le samouraï de l'ombre. C'est juste un plaisir de combattre dans ce jeu, vraiment. Le village est libéré, on passera au camp suivant dans une autre vidéo, tout en continuant de construire ma légende. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo l'équipe. Salut !